Et bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour le nouvel épisode de The Legend of Zelda, de Super Mario Bros 3, épisode 15. Ok. Donc, l'un des niveaux les plus durs du jeu, bien évidemment. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ça va n'être que du scrolling automatique. Et qu'en plus de ça, le scrolling automatique, en plus d'être chiant, c'est hyper dur à gérer. Voilà, pour la simple et bonne raison que, tout simplement, c'est hyper long. C'est hyper long et en plus de ça, si on fait pas gaffe, on peut vite se faire surprendre. Et qu'il va y en avoir beaucoup des épisodes comme ça là. Et voilà. Surtout que ça va être des niveaux où, au final, les boss vont pas être si compliqués que ça. Mais ça va pas être les boss le problème. Wow. Ça, c'est un gros boulet de canon. Ça fait super mal. Ça fait mal. Ça fait aussi mal que les autres, mais... Le gros désavantage qui... Oh. Le gros désavantage qu'il a, c'est qu'il a une grosse zone d'action. Hop. Voilà. Bon. Premier monde passé. Alors voilà, c'est des mondes qui sont qui font à peu près 2 minutes chacun. Donc bah, c'est des mondes hyper longs, hyper chiants. Donc évidemment, hormis me voir esquiver des boulettes, ça va pas être super instructif. Et voilà. Ça, c'est vraiment The Big Piège. Ah, c'est vraiment... Toi, tais-toi. Un bon coup. Puis deux. Et quand le niveau diminue, c'est ce qui est chiant, c'est que les boulettes aussi. Puisque c'est tout le niveau qui fait bouger tous les... Enfin voilà, c'est chiant. Vous pouvez vous faire niquer par des coups comme ça, c'est assez tragique. Wow. Donc là, les ennemis en général, il faut essayer de les buter le plus rapidement possible. S'ils sont jaunes comme ça, ça veut dire qu'ils vont réapparaître constamment. Donc, si on peut leur marcher dessus, c'est mieux. Si on peut pas, tant pis. Alors voyez, ça c'est chiant. Wow. Quelle chance. Alors ça c'est très dangereux. Voilà. C'était très short parce que je pouvais rien faire. Et le problème, c'est qu'on remeurt à chaque fois et on recommence tout depuis le début. Alors voilà pourquoi ce niveau est très chiant. Hein. Ça sert à rien en plus d'utiliser des étoiles, puisque bah, pour la simple et bonne raison que de toute façon vous crevez, donc l'étoile va pas durer assez longtemps pour être efficace tout le long du truc, puisque c'est du scrolling. Voilà, hop. Voilà.
Donc faut juste être prudent et là avancer le plus vite possible. On va éviter de se faire avoir une deuxième fois. Voilà, et hop là. Là on passe. Et on tue ce gros méchant pas beau. Et voilà. On arrive bientôt au million de points d'ailleurs, je viens de voir ça, mais on est à 932 530 points, c'est plutôt énorme. Et donc là on arrive dans une partie où en fait on a chacun des niveaux ici présents qui peuvent ou non nous choper ou non. Donc là il m'a pas chopé, il m'a chopé, voilà. Y a les... Ils sont comme ça les niveaux. J'ai raté une pièce, hein. Allez. En mode semi-speedrun. Et voilà, donc on récupère une fleur de vol. Un costume de raton laveur. Donc vous voyez, hein. Si on fait A, bien évidemment, pour activer le niveau, il s'activera. Donc là, les frères marteaux qui n'ont pas décidé ou non d'affronter. Hein. Voilà. On récupère un costume gratuitement. Déplace-toi! Voilà. Et là, le deuxième. Et le dernier. C'est pas des niveaux très compliqués, mais dans l'absolu, voilà. Hein. Et donc les random poissons. Un des niveaux les plus chiants. Parce que bon, des random poissons avec de la lave en dessous et esquiver leur pattern un peu chiant et casse bonbon. Voilà, bref, hein, c'est... On va deviner. La chose que je préfère dans ce jeu-là, les random poissons. Voilà, bon. Des niveaux qui sont pas très compliqués, très courts d'ailleurs. Et un niveau très rapide également, puisque le scrolling va deux fois plus vite que précédemment. Voilà. Ça voilà, faut vraiment pas se rater sur les déplacements. En plus de ça, faut sauter assez rapidement. Voilà. Voilà, bon. Comment éviter cette attaque plus le saut, ça c'était quelque chose de prévisible, je m'attendais à mourir. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la nécessité de les tuer qui doit être votre priorité. C'est vraiment de sauter le plus rapidement possible pour éviter d'avoir à esquiver leurs attaques. Moi, si je les tue, c'est pour être tranquille parce qu'ils se retournent pas comme ça. Ils m'emmerdent pas sur le retour en fait. Voilà, pouf, je te tue avant. Waouh, heureusement que j'étais tout petit. Hein. Hop, vous voyez, plus ils sont nombreux et plus c'est pire. Bon bref, y a rien. On y va et là. Encore un monstre comme ça, hop. Aïe 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 aïe, j'ai sauté trop tôt. Ah ça c'est très ballot.
c'est vraiment chiant là, je vous l'assure. Parce qu'en recommencer ce niveau, c'est très casse-couille. Surtout que là, on va pas avancer bien loin du coup. On va peut-être arriver au niveau 1, 2, 3. Short. Qui sont les véritables niveaux sans scrolling en fait. Puisque ces premiers niveaux là qu'on a fait, on a fait déjà 6 niveaux, 6 mondes, c'est qu'avec du scrolling. D'ailleurs, vous avez pu constater d'un niveau. Ah! Bon, ce niveau me gave. Donc vous l'aurez compris. On va pas le glitch, mais. On va l'éviter. Donc je fais rien. Je reste en hauteur. Voilà. On va rester comme ça, tranquillement, hein, poussé, dans notre canapé. Bon, et si on accélère un peu? Voilà, parce que bon, le niveau est un peu chiant, vous l'avez déjà tout vu. Voilà, bon. Et donc là, on va se battre. On va essayer de se battre à la loyale. Allez, redescends. Parfait. Bon, voilà. On va peut-être commencer le premier niveau. Donc voilà, on se retrouve dans le noir. Et niveau 1. Niveau 1, assez traditionnel. Aïe, ça s'applique. Donc là, il va falloir que j'attende un petit peu parce que... Il va falloir que je récupère le champi. J'ai eu du bol là. Voilà. Aïe 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 aïe. On va recommencer ce niveau. Avec peut-être un peu plus de chance cette fois-ci. Les fantômes que l'on peut tuer avec des carapaces. Très original. Alors. Voilà. Oh non! Genre j'ai voulu ralentir pour, parce que je pensais que j'allais pas l'avoir. Au final je l'ai eu. Ça c'est assez lourdingue. Dernier try et ensuite on s'arrêtera si ça ne fonctionne pas. Et je doute que ça fonctionnera. Donc... Donc dernier try. Aïe aïe aïe. Bon, non, petit dernier parce que là, c'est injuste quand même. Et en plus il se barre. Ah. Allô, allô, je t'ai jamais demandé de m'éclater à la tronche.
Au bout de 19 tries, non peut-être pas quand même, mais bon, j'ai perdu beaucoup de temps à faire ce niveau. Donc, sans plus tarder, à la prochaine. Et regardez le nombre de points! À 20 points près, j'ai été parfait. Hein? Eh oui, à 20 points près. Donc on va se laisser là, pour que vous puissiez admirer le prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde. Ciao, ciao!